Redis ça encore toi, c'est bon. Bah tu verras moi. Moi la calotte là, la calotte de ta gueule. Salut l'équipe, c'est Mikalash. Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que mon tout premier clip était enfin disponible. Donc voilà, il est sorti sur la chaîne Mikalash Music, je vous mets le lien en description. Et je compte sur vous pour me donner un maximum de force. Si le clip atteint les 10 000 likes, j'en ferai un autre. J'ai appelé ma pute japonaise Suki, elle fait que m'appeler Malo Kiki. Je lui donne du taf, entre deux taf, après un taf, elle fait le taf. J'ai appelé ma pute japonaise Suki, ouais. Je veux la virer mais elle me supplie. Elle fait mal le taf, du coup je la vire entre elle et moi, c'est fini. Ouais. Salut l'équipe, c'est Mikalash et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être complètement dingue. Je vous explique, je suis tombé sur une annonce sur internet, sur un site un petit peu bizarre, d'une personne qui cherchait à acheter un être humain. Donc voilà, je vous avoue que quand je suis tombé là-dessus, j'étais un petit peu surpris, un petit peu choqué, j'ai pas trop compris. Je me suis dit, est-ce que c'est une blague? Est-ce qu'il est sérieux? Qu'est-ce qu'il veut acheter? Pourquoi il veut acheter un être humain? J'ai donc contacté cette personne, je l'ai appelé, etc. pour voir. Et en fait, la personne m'a tout simplement dit qu'elle cherchait à acheter un genre d'esclave, entre guillemets, pour faire certains trucs, etc. sur des chantiers ou je sais pas trop quoi, voilà. Donc voilà, vous après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi vraiment personnellement, j'ai été très choqué, j'étais assez surpris et même. J'ai été vraiment révolté. Je me suis dit, mais comment on peut vouloir acheter un homme pour en faire un esclave? Enfin, je sais pas. C'est quelque chose que je pensais pas qui existait encore à l'heure actuelle. Donc voilà, ce que j'ai tout simplement décidé de faire, c'est de piéger cette personne. Vous allez voir dans cette vidéo. À la fin, c'était un petit peu parti en vrille. Mais voilà, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Je suis là, je suis toujours en forme. Mais voilà, comme vous allez le voir dans cette vidéo, on l'a bien piégé. On s'est bien foutu de sa gueule. Et je pense que ça lui aura servi quand même un petit peu de leçon. Comme d'habitude, pour me soutenir et si vous kiffez la vidéo, l'équipe, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes. Ça me ferait vraiment plaisir et ça me soutiendrait énormément. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour suivre les futures vidéos. Et voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez me soutenir dans mon projet musical, n'hésitez pas à aller voir mon tout premier clip, le lien est en description. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous retiens pas plus longtemps et je vous laisse avec le contenu de la vidéo. Salut. Ça va? Ça va, c'est toi là? Ah, tranquille. Ouais, ouais, ça va. C'est toi pour l'annonce? Ouais, ouais, c'est moi pour l'annonce. C'est toi pour. Non, c'est bon, c'est bon. C'est... Lâche ma main. Non, mais je suis sur la main, tranquille. Lâche ma main, c'est bon. Oh, y'a pas de soucis. Enfin, fais voir. Non, c'est bon, c'est bon. Non, fais voir ta main. Ouais, quoi. Fais voir, genre. Je serre un peu la main, frère, pour te dire bonjour, t'as capté? Ouais, bonjour, ouais, c'est bon, c'est bon. Attends, c'est. Ouais, ouais, c'est bon. Ouais, stop. Pour la chose là. C'est toi, ouais. C'est toi que j'ai eu pour l'annonce. Pour la chose là. Pour c'est bon, lâche ma main, lâche ma faim. Non, t'inquiète, pour l'esclave, c'est ça. Ouais, ouais, c'est lui. C'est toi. C'est lui. Ouais, ouais, c'est moi. C'est moi. Ouais, c'est toi pour qui vend la chose là. Ouais, ouais, c'est moi. Ouais, le truc. Pour la vente d'esclave. Ouais, le truc, ouais, ouais. C'est toi qui l'achètes. Ouais, 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 c'est moi qui l'achète. C'est toi. Ouais, c'est moi. Bon. Fais voir un peu. Quoi, fais voir un peu. Quoi, c'est moi qu'on achète là? Non, 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 non. Moi, je vais. Viens là, viens. Attends, viens. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi là? Du coup, je t'explique. Genre, tu voulais m'acheter l'esclave, c'est ça? Je vais l'acheter, ouais. C'est bien toi que j'ai eu au téléphone. Ouais, ouais, c'est lui, ouais. Ouais. Ouais, tu m'as l'air un peu bizarre, frère, ça va? Pourquoi? Non, je sais pas. Tu m'as l'air un peu speed. Ah bon? Un peu genre. Tu m'as l'air un peu. Non? Ouais? Non, mais non, non. Non, non, non. Non. Un peu genre. Non, 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 t'es sûr? Ouais, ouais, j'ai un petit rhume et tout là. Toi, tu touches le nez là, t'as un truc dans le nez, frère? Non, non, j'ai un rhume. J'arrive, c'est bon là. Pourquoi tu me regardes comme ça? T'as un truc blanc là, ici là. Vas-y, me regarde pas comme ça. Ici là, regarde. Attends. Ouais, on est venu pour moi ou pour lui là? Non, on est venu pour lui, mais regarde. Ne me touche pas. Non, mais t'as un truc blanc dans le nez. C'est bon, me touche pas. Viens là, viens là. Attends, laisse-le. On parle entre nous déjà pour commencer. Viens là. Tranquille, c'est bon. Attends, on parle. Vas-y. Jean-Michel, fais la sieste. Quoi, il s'appelle Jean-Michel là? Ouais. Quoi, c'est pas le numéro que tu appelles toi? Ah non, moi je le redonne. Bah, t'en as combien toi? Bah, c'est mon seul esclave. T'en as qu'un seul? Quoi, t'en as pas? Tu l'emmènes à où pour chantier? Comment ça, quel chantier? Quoi, c'est il travaille pas lui? Ah bah non. Il travaille en quoi là? Rien, il a la maison. Il travaille en rien? Non, il travaille pas. Il a jamais travaillé de sa vie. Il travaille en rien lui là? Non, pourquoi? Quoi, t'en as fait la pantoufle là? Comment ça la pantoufle? T'en as fait une pantoufle là? Pourquoi une pantoufle? Ah mais il va rien faire de sa vie lui. Ben... Il va pas au chantier. Non mais chantier. Okay, là il fait quoi? Il fait quoi au sol? Il fait la sieste. Et relève-toi. Il fait la sieste, Je vais voir les mensurations. Tu vois les mensurations? Ouais, ouais, viens voir Jean-Michel. Ouais, on va montrer un petit peu. Bien sûr, là, gamin là comme ça. C'est un grand gaillard, non? Il a quel âge? Donc alors, ouais. Je le présente. Ouais, il a quel âge? Donc voilà, il s'appelle Jean-Michel. Il a 46 ans. Il a 46 ans, lui? Ouais. 46 ans? Ouais. Regarde-moi, vas-y, regarde-moi. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Ouais. Tu te fous de ma gueule, en plus? Non, je rigole. Tu te fous de ma gueule, en plus? Pourquoi tu rigoles, toi? Non, je rigole. Pourquoi il rigole? Pourquoi il rigole? Non, je rigole. Pourquoi il rigole? Non, je rigole. Il a cru que c'était un rigolo, lui? Il a 20. T'es un rigolo, toi? Il a. T'es un rigolo? Il a. Je te fais? Ouais. Ouais, oh! Par contre, me crie pas dessus. Non, je. Me crie pas dessus, je te dis. Tu me cries pas dessus. T'as vu ce qu'il a fait là? Il a fait quoi? T'as vu ce que t'as fait là? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Oh, lâche-le, il a fait quoi? Il a fait un dos d'honneur. C'est pas vrai. On a fait la dos d'honneur là. Tu as fait le dos d'honneur, Jean-Michel? Et en plus, il rigole. Oh, tu te calmes. Tu verras. Tu te calmes. Moi, je vais l'éduquer lui. Hein. Comment ça, tu vas l'éduquer? Je vais l'éduquer. Hein. Tu te calmes. Je vais l'éduquer. Jean-Michel, va te mettre là-bas s'il te plaît. Mets-toi là-bas. On va parler. On va parler avec monsieur. Mets-toi là-bas, ne bouge pas, Jean-Michel. On va parler. Moi, je t'explique. Voilà, il s'appelle Jean-Michel. Il a 22 ans. Il a 22? Voilà. Moi aujourd'hui, si je te le vends, c'est parce que j'ai des gros problèmes financiers, je peux plus assurer les dépenses. Moi je te dis direct. Hein. Ouais. Lui, je le prends pas à 10 000 comme on avait dit. Hein. Tu prends pas à 10 000? Je prends pas à 10 000. Pourquoi? C'est mort. Pourquoi? Ouais, c'est chose. Comment ça, c'est chose? Ouais, c'est chose.
Regarde. Ah, Jean-Michel. Tu donnes le petit caillou à monsieur. Ah, ah, ah. Bon Jean-Michel. Ouais. Ah, il y a pas un petit caillou là, bon Jean-Michel. Ça va, comment ça va? Ça va, Jean-Michel? Ah, ouais, quoi? Par contre, ça, qu'est-ce qu'il fait là? C'est fier, mon petit Jean-Michel. Moi je te direct, hein. Moi je vais l'éduquer, lui, hein. Comment ça, tu vas l'éduquer? Moi je te dirais dans la tête, hein. Jean-Michel. Laisse-moi parler. Mets-toi là-bas, mets-toi là-bas. Laisse-moi parler. Mets-toi là-bas. Quoi? Je te le prends pas 10 000. Tu me prends quoi? Lui, je te prends même pas 2 000. Et encore là, je suis gentil. Je vais en faire quoi là? Je vais en faire quoi de lui là? Comment ça, tu vas? Je vais en faire quoi de lui? Mais j'ai mis des années là. Tu vas en faire quoi? Le formater lui. Tu m'avais dit là, il avait les papiers là. Il a pas le papier. Non, il a pas les papiers. Ouais, c'est bon, ça va. Pourquoi? Non, c'est bon, ça va. Pourquoi tu veux savoir? Ça va. Je vais l'emmener au chantier. Il a pas les papiers français. Ouais, c'est bon. Pardon, il parle français là un peu. Ouais. Parle un peu. Parle au monsieur un peu. Parle un peu. Vas-y, parle un peu. Non, il parle. Parle un peu au monsieur. Parle encore. Je m'appelle Jean-Michel. Et tu regardes au sol là? Je m'appelle Jean-Michel. Tu vois, il parle français. Par contre, c'est Jean-Michel, c'est, je vais modifier. Hein. Non, il s'appelle Jean-Michel. Ah, non, je vais modifier. Comment ça, tu vas modifier? Je l'appelle pas moi Jean-Michel. Hein. Pourquoi? Jean-Michel, moi, c'est mon tonton. Hein. Tu l'appelles quoi? J'appelle pas Jean-Michel. Hein. Lui, c'est numéro 3, c'est tout. Comment ça, numéro 3? Lui, si je le prends, je prends 2000. Pas plus, hein. je te dis direct. Hein. Mais si c'est Jean-Michel, c'est son prénom. Il n'y a pas de prénom, c'est un prénom lui. Ah, tu me le prends pas plus de 2000. Je le prends pas plus de 2000. J'en fais quoi? Quelle langue? La colle français? Moi, je t'explique. Il parle le français, ouais. L'anglais, ouais. L'espagnol, l'italien, ouais. Le japonais, ouais. Le chinois, c'est le moldave, c'est bon. Le portugais. C'est bon. Le suédois. C'est bon. Le moldave. Je lui ai dit le moldave. J'ai dit le moldave. C'est bien, Jean-Michel. C'est bien, mon Jean-Michel. C'est bien. Il n'y a pas à parler comme ça. Fais un peu la sieste, Jean-Michel. Fais un petit peu la sieste, Jean-Michel. C'est bien, mon Jean-Michel. Quoi, me dis pas chute, hein. Non, mais. Me dis pas chute, hein. Tu me dis pas chute à moi, hein. Ça marche. Tu me dis pas chute à moi, hein. Chut. Tu me dis pas chute, hein. C'est bon, d'accord. Désolé. Parle moins fort. Il fait la sieste. Regarde comme il dort, là. Il fait la sieste. N'importe quoi, là, c'est une éponge, là, comme ça. Là. Ça, c'est une éponge, hein. Parle moins fort. Il essaye de te. Je m'en fous. Ouais, je m'en fous. Non, je t'explique. Parle moins fort, pour Michel, essaye de dormir. Je m'en fous. Il faut pas l'interrompre pendant sa sieste. Il dort pas là. Là c'est l'heure de travailler là. Écoute-moi. Là c'est l'heure de travailler. Il faut pas l'interrompre pendant sa sieste. Ça c'est l'heure de travailler. Ouais. Savoir c'est que Jean-Michel, il me revient entre 4000 et 5000 euros par mois de dépenses et de quoi? Voilà. Pourquoi? Alors, je t'explique, Jean-Michel c'est un garçon très sensible, il a des besoins très importants. C'est-à-dire que par exemple, le soir il peut manger que du foie gras. Foie gras? Ouais, voilà, le soir il mange. Il a pas de foie gras, lui, hein. Foie gras? T'inquiète, on va manger ton petit foie gras après, mon petit Jean-Michel. Le monsieur. Le monsieur, il va te donner tout le foie gras que tu veux, mon petit Jean-Michel. Attends, y'a pas de mensonge, hein. Moi, je te donne pas le foie gras. Toi, c'est pas un lot. Va te mettre là-bas. J'arrive pas à dormir, j'ai pas mon matelas super moelleux. C'est. Va là-bas, va là, écarte-le. Il dort sur quoi, là? Tu fais dormir où, lui? Il est en sous? Il dort. Il est en sous? En fait, il dort dans mon lit. Tu dors dans ton lit? On va faire avec. Mais moi, c'est direct dans le camion. Il dort tout seul. Hein. Dans le camion? Dans le camion ouvert. Hein. Moi, il dort dans mon lit. Moi je pars pas avec lui, par contre. Pourquoi? Moi, je prends pas plus de 2000. Là. Parce que là, je vais l'éduquer. Comment je vais faire? Là, je mets des années. Moi, je t'explique. Je prends pas de 2000. Moi, je t'explique. Et moi. Elle prend pas 10 000. Non, d'accord, mais je t'explique. Moi, je peux plus assurer toutes ces dépenses. Ouais. Si je le revends aujourd'hui, moi, je l'ai depuis que je suis tout petit, je suis très attaché à lui. Là, il commence à m'énerver. Pourquoi il t'énerve? Moi, je vais lui mettre ta calotte. Hein. Mais non, je vais lui mettre ta calotte dans la tête. Hein. Quelle calotte, frère? Putain, alors là, je vois pas nicher, là, j'entends. Ouais, tu. Pourquoi il pleurniche? Tu me brusques. Mais pourquoi? Tu l'as réveillé pendant sa sieste. Non, moi je veux pas être une pleureuse. C'est pas une pleureuse? Si, c'est une pleureuse là. Bon, je t'explique. Moi aujourd'hui, si je le vends, je veux m'assurer que tu prennes bien soin de lui, d'accord? Moi franchement, je veux bien te le faire à 2000. Honnêtement, moi je m'en fous du soin là. Moi il va travailler, c'est tout. Et tu m'écoutes? Il va travailler, c'est tout. Tu peux m'écouter? Ouais, je t'écoute. Moi je veux bien te le faire à 2000, mais je veux être sûr à 100% qu'il sera bien avec toi et que tu prendras soin de lui, qu'il fera manger son foie gras tous les soirs. Voilà, je t'explique. Il a un petit régime très strict, c'est-à-dire que le soir déjà il ne mange que du foie gras. Parce que s'il mange autre chose, ça lui provoque des pets, il pète partout. Comment ça il pète? Et Jean-Michel, reste là-bas. Je pète partout, ça pue. Reste là-bas, Jean-Michel. Pourquoi il me parle lui là? Je discute avec monsieur. Je discute. Lui, bon. C'est calotte dans la tête là s'il me parle. Hein. Je fais que péter. Je lui mets la calotte. Me touche pas. Non, je touche pas. Viens, on discute. Viens, on discute. Me touche pas. Laisse-le. Viens, on parle. Et moi, je te dis direct. Hein. Entre lui et moi là. Là, c'est que la molette dans la tête. Hein. Parce que là, t'as vu là? Comment je vais faire là? Regarde, il se met. Là, j'ai envie de l'arracher avec la tête. Hein. Non, je vais arracher sa mère. Écoute. Je vais t'arracher ta mère. Je vais l'arracher sa mère. C'est bon, calme-toi. Viens, on discute. On discute tranquillement entre et moi, toi. Je te dis, moi 2000, sinon je me casse maintenant. 2000 ou je me casse maintenant. Ok, c'est bon. 2000 à une condition. Je veux que tu me garantisses que tu prendras soin de lui. Que, écoute. Tous les après-midi, il doit faire sa sieste. Comment ça m'énerve? Tous les après-midi, il doit faire sa sieste pendant une heure. Je veux m'assurer si je te le vends. Il n'y a pas de sieste. Tu pourras faire pas de sieste. Moi, il n'y a pas de sieste avec moi. Pas de sieste? Non, moi, c'est travail, c'est tout. Je sais pas si je peux te le faire 2000. Non, tu fais à 2000. Hein.
Encore moi je suis gentil là, parce que là comment je vais faire là? Là ça prend des années avec lui hein. Comment ça des années? Regarde. Mais il est très obéissant. Non, regarde là. Regarde. Là tu m'as fait quoi là? Oh, tu lui fais mal, Là, c'est fragile ça hein. C'est pas du tout. C'est fragile, moi je le prends fragile hein. Tiens là, j'en ai c'est moi, pas le fragile hein, je te dis. Moi je le prends à 2000, c'est tout. C'est bon, je te le vends à 2000. Du bon hein. Moi j'ai conclu à 2000. Il est méchant le monsieur. À 2000. Attends. Serre-moi la main, Dominique. Non, Dominique, laisse-moi lui parler. Parce que moi, je fais pas le temps. Je vais l'éduquer, le gosse. Mais, je vais le dresser. Tu vas lui faire je vais bien le dresser. De ses journées. Il va travailler, c'est tout. Travaille. Il rentre. Pain à l'eau. Et direct au lit. Dans le camion, c'est tout. Bon, je vais lui parler. Sinon, c'est calotte. Hein. Je vais essayer de lui parler. Sinon, c'est calotte. Hein. Oui. Je vais essayer de lui parler. Tu me laisses lui parler ? Ouais. Bonjour, Michel. Monsieur, il est très, très méchant. Très méchant. C'est. Il est vraiment très méchant, tu vois. Moi je suis méchant, moi. Non, je parle pas de toi. Moi je suis méchant. Non, je lui dis. C'est pas les qui là. Je suis en train de le rassurer pour qu'il vienne avec toi et qu'il sente bien. Laisse-moi faire. Tu as confiance. Fais vite là parce que tu me passes moi j'ai pas le temps. Ouais, c'est bon. Le monsieur il est très très méchant. En plus, il pue de la gueule un peu. T'as dit quoi là? D'accord. Moi je pue de la gueule, moi. Non. Moi je pue de la gueule. Moi tu veux que j'aille chercher le camion là? Non, je le rassure. Eh, tu veux que j'aille chercher le camion là? Quoi dans le camion? Tu veux ma gueule là? Moi je pue de la gueule moi. Non, moi je pue moi. J'ai pas dit ça. Moi je pue. J'ai pas dit ça. Je pue moi. Non, calme-toi frère, pourquoi tu trembles et tout là? Qu'est-ce qui t'arrive? Je pue moi. Pourquoi tu trembles? Je pue. Mais t'es redis ça encore toi. Non, c'est bon. Mais tu verras moi. Moi la calotte là. La calotte de ta gueule. Calme-toi. De ta gueule la calotte. Je rassure. Ouais, c'est ça. Mais vas-y, fais vite là parce que moi là j'ai pas le temps. Moi je dois me barrer là. Non, mais vite. Jean-Michel, le monsieur, il est vraiment. C'est vraiment un méchant monsieur. Il est très très méchant. Il sent mauvais. Et en plus, il est moche. J'ai appris ma pute japonaise Suki. Elle fait que m'appeler mal au kiki. Je lui donne du taf, entre deux taf. Après un taf, elle fait le taf. J'ai appris ma pute japonaise Suki. Ouais. Je veux la virer mais elle me supplie. Elle fait mal le taf, du coup je la vire entre elle et moi c'est fini. Ouais.